Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la suite du Let's Play de Lord of the Fallen sur PC. La dernière fois on s'est arrêté après avoir battu la bête en sortant de la citadelle et je suis directement allé au cimetière pour repasser par le portail et on va tout de suite continuer avec cette première cinématique. Donc voilà, donc on va tout de suite continuer, j'espère que vous allez bien, que vous pétez la forme parce que moi oui. Donc on va déjà se faire ce premier tyran. Alors où est-ce qu'il est son... Il est là son cas. Allez viens. Et il est mort. Donc voilà, un peu améliorer mes stats, etc. J'ai fait les quêtes annexes comme je vous ai dit, j'ai fait toute la map, catacombs, etc. Petite clé de l'antichambre ouest. D'accord, bon, on va aller à l'antichambre ouest. De toute façon, on va refaire toute la zone d'ici. On va tout refaire. Parce que j'ai oublié des quêtes annexes ici aussi. Bah, je vais vous montrer comment les commencer. C'est notre petit ami qui ne donne rien encore. Hé, hey, Arkim. Vous êtes toujours là. Écoutez, mieux vaut éviter le monstre de cette arène. Utilisez le passage secret qui traverse cette tour. Et venez me retrouver à l'endroit où vous avez combattu ce démon tripode. Faites ça et je vous montrerai ce que j'ai découvert. D'accord. J'irai le combattre après. L'antichambre ouest c'est à gauche donc on va aller à droite. Non c'est pas marrant. Donc là j'ai tout. Attendez une seconde. Et me revoici, désolé, petit bug. Donc on va... Tiens, ça a apparu ça. Un éclat de magie. On va descendre de ce côté là. Bouclier qui vient de me sauver la vie. Enfin, sauver la vie. Parenthèse hein. Allez, voilà. Tous les ennemis sont au fond de shot, c'est bien. Clé de l'antichambre ouest, bien. Alors, qui a-t-il par ici? Attendez deux secondes, moi c'est bon. Je regardais à quelle heure il était et quelle heure j'ai commencé. Ça va sûrement être une vidéo de 30 minutes dans ce genre là. Un bon gros coup. Voilà. De l'équipement. Y'a rien d'autre ici? Si? Non? Tel quelque chose par là? Si je monte par ici. Tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Ok. Allez hop. Fatal en un coup. Ça fait très très mal cette arme. Meilleure arme du jeu à mon avis. Grand Antanas, parmi les lords Rogar. Il doit en être un qui manie le pouvoir du feu. Il se sert de deux espadons barbares avec une telle aisance qu'une certaine force élémentaire doit l'y aider. Sans elle,
Il y a fort à parier qu'il ferait moins le fier. Ok. Qu'est-ce que c'est que ce symbole ici ? C'est pas grave. Alors, on prend ce chemin pour l'antichambre ouest, c'est plus rapide. Désolé pour le petit freeze encore une fois. Je sais pas pourquoi ça freeze, hein. Le jeu est très mal optimisé. Désolé pour ça. Hein. On entend le vent souffler tellement y'a rien. C'est pas ici le passage. Ah non, ici, je peux encore. Les éclats. Ils se forment en présence d'une faille. Les matières des deux dimensions se télescopent pour produire ces incroyables cristaux, regorgeant de puissance. Les failles de grande taille forment des éclats disloqués, trop grands et trop lourds pour qu'on les déplace. Qui sait quel pouvoir ils recèlent ? Ok. Je sais qu'il y a une porte à l'étage aussi, mais c'est pas les bons escaliers ceux-là normalement. Ah bah non, mais je l'ai ouvert cette porte, je suis mongol. Le coffre est ouvert. Je sais par où qu'il veut qu'elle passe, hein, ou par où qu'il veut que je passe, mais on prend un peu notre temps. Attendez. Je veux vraiment voir à l'autre... pardon, à l'autre escalier. Et là, on se glisse par derrière et on surine cette... Hé, hey, regarde qui voilà. Qu'est-ce que vous faites ? Eh ben, on a réussi à trouver de quoi manger. Un regard ? Où est le troisième ? Oh ! Ah oui, lui, le troisième. Il y est resté, le pauvre. On a voulu le manger, mais il était un peu filandreux. Les regards sont plus tendres. Essayez donc. Vous délirez. Il faut que vous partiez d'ici. Sûrement pas. C'est notre nouveau chez nous. Mais le monstre géant dans l'arène commence à nous taper sur le système. C'est pour ça qu'on va tuer cette vermine géante. Tuer le Lord ? Écoutez-vous un peu. Partez d'ici tant que vous le pouvez. Mais... qui va nous protéger du capitaine ? Je pourrais lui dire que je vous ai tué, mais il me faudrait vos tatouages. Nos tatouages ? D'accord, on les arrache. C'est mieux que de fuir ou de mourir ici. Tenez, prenez cette allumette qu'on a trouvée. Elle vous sera plus utile qu'à nous. C'est moi où il a dit allumette ? Je ne suis pas trompé, il a bien dit allumette. Alors, amulette du parjure. Celui-ci, tout à... Ouais, d'accord. Donc, je prends celle-là, la boussole, plutôt. La boussole permet de découvrir les secrets. C'est un objet d'un DLC que j'ai pris pas trop cher. J'ai pris 50 centimes, c'est pas cher. Donc, voilà. Donc, je sais par où il faut passer, donc on va y aller tout de suite. D'ailleurs, j'ai une petite idée pour les vidéos qui sont plus longues que 30 minutes. Peut-être que je réduirai la qualité, ce sera du... Il y aura quand même la qualité 1080p, mais ce sera digne d'un 720p, et... si c'est inférieur à 30 minutes, je mettrai en vrai 1080p, parce que sinon ça prend un peu trop de place dans les vidéos. Enfin, sur mon disque dur, plutôt. Non, à upload, parce que ça prend pas de place sur mon disque dur. Je dis n'importe quoi, désolé. Je dis n'importe nawak. Ah oui. Mal quand même. Hey, salut! D'ailleurs, je suis passé à 21 fois, donc maintenant je fais très mal avec ce sort. Voilà. Et... ah, flûte. Je fais vraiment n'importe quoi là. Je déteste les mages, ils font trop de dégâts, je trouve. Mmh.
Donc on ira s'occuper du gardien après. Hein. Donc là le passage était donc ici, il faut remonter ici. Je me fais ses ennemis. Je sais où il va falloir que j'aille directement, mais je vais faire un petit truc juste avant, une petite quête annexe. Je crois que vous vous rappelez qu'il y avait une statue pas loin, enfin je vais vous montrer où c'est exactement. Ah non, c'était lui qu'il fallait suivre. Ouais. En fait, le petit chien que vous avez vu là, c'était pour une quête annexe. Et on va laisser le faire, mais on va d'abord tuer celui-ci. Bonjour. Shot, c'est bien. Ah, c'est lui qui s'est battu pour nous. On va sauvegarder ici. C'est par là que je devais passer. Hein. J'avais complètement oublié que c'était par là que je devais passer, mais bon. C'est pas grave, moi je m'en rappelle. Donc on va balayer un peu la zone. Normalement je vais ici, lui il a pas beaucoup de vie et je vais me faire. Ce sera une embuscade normalement. Voilà. Je m'en doutais. J'ai tapé ma souris sur le clavier. Enfin sur la table parce que je suis un fou. Voilà, et donc il reste un à tuer. Ça c'était une quête annexe complète. Hein. Que j'étais censé faire il y a un petit moment, mais que je savais pas qu'il fallait la faire. Pour dropper cette dague. Le donjon. D'accord, c'est pour mieux résister. D'accord, d'accord. Pourquoi pas, hein. Pourquoi pas, après tout. Donc on fait un petit tour au cas où on trouve de nouveaux parchemins audio. Ce qui est un petit succès, c'est avoir 60 parchemins audio, donc à mon avis c'est les 60 du jeu. Hein. Un petit succès, n'importe quoi. Moi bien parler France. Sont derrière. Maintenant. Donc ça va, il n'y a plus trop de tyrans. Les tyrans qu'on a déjà fait, ils sont partis, etc. Ils ne reviennent pas. En tout, il y a 12 cœurs de tyrans. Et pour 4 cœurs de tyrans, on peut améliorer nos potions à côté du monastère. Au moins donc on a coupé la main dans son laboratoire. Clark. Ah le voilà. Donc on va lui parler parce que j'ai les crânes. Parce que j'ai les derniers crânes qui lui manquent. Quoi Clark. Oh merde! J'ai pas vu. Je n'ai pas vu. Je sais ce qui s'est passé, vous inquiétez pas. Hein. C'est pas grave, je vais y retourner tout de suite. Ce qui s'est passé en fait, c'est qu'il est passé en mode contre-attaque, enfin en mode renvoi de dégâts, le mage. Et je me suis trop tout pris. Et j'avais pas prévu ça.
et meurt. Recule. Faut pas qu'il me fasse peur lui, faut pas qu'il me fasse peur. Non, il faut que je le tue. Je vais le tuer. Et meurt. La sangsue, l'armure. A posséder cette allumette, ouais. Ouais, donc faut pas que je la mette trop. Non mais je garde quand même la boussole pour voir les passages secrets, etc. Enfin pas pour les voir mais pour les entendre. Vous verrez. Vous entendrez un son. Si jamais on en retrouve, hein. Aïe. Donc c'est rare que je suis mort, hein, que je meure. Hein. Là mais il a bien joué le sorcier. C'était pas prévu. Alors, est-ce que ce coffre peut être ouvert? Non, toujours pas. Alors que je revienne. Que je sais que j'ai déjà été prendre le coffre, mais on sait jamais. Je sais pas pourquoi, mais je passe à 30 FPS ici, bizarrement. Donc il y a rien, c'est bien. Il y a même pas de secret ici non plus. On va sauvegarder. Il y a aucun ennemi quoi, et tout. Normalement là-bas il y a une araignée, il y a rien d'autre vu que j'ai déjà pris. Comme j'ai dit. Une autre ici. Voilà. Ça par contre ça me déçoit qu'ils reprennent cet endroit quoi. Je sais pas, ils auraient pu faire un nouvel endroit plutôt que d'en faire venir dans le même monde. Je sais pas, je trouve ça trop simpliste. Je sais pas ce que vous en pensez hein. Normalement ici y a plus personne hein. Je l'ai tué. Et on va aller voir notre ami. Putain, j'oublie son nom à chaque fois, j'arrive pas à le retenir. Là, je... bon, ça sert à rien que j'y vais, à mon avis, ça va faire. Enfin, vous me faites l'honneur de votre présence. Vous vouliez me montrer quelque chose? Oui. L'endroit que je cherche doit être derrière cette porte. Si j'arrivais à entrer, je pourrais découvrir pourquoi le grimoire d'ascendance m'a conduit ici. Eh bien, ouvrez. Comme si je n'avais pas essayé. Ça ne bouge pas d'un pouce. Voyons ce qu'on peut faire. Que comptez-vous trouver là-dedans? Je veux comprendre pourquoi ma mère m'a laissé le grimoire d'ascendance. Je pourrais découvrir les secrets que ma famille dissimulait. Et pourquoi? C'est forcément quelque chose de valeur. Depuis combien de temps essayez-vous de traduire ce grimoire? Pourquoi? Vous en avez trouvé d'autres? Oui. Tenez. Merci. J'en ai un. Lâche. Bon. Je vais essayer de l'ouvrir. Ah oui, bah. Normalement, ici, c'est un passage secret, je crois. Enfin, c'est pas un passage secret, c'est un truc secret, à mon avis. Donc en fait il faut juste que j'appuie sur... Ouais normalement ça devrait marcher. Voilà. Je retire le gantelet. Parce que c'est chiant. J'en ai assez de patience. Là.
Ah, là, c'est ouvert. Ah, c'est la chambre des mensonges ici. Non, on revient plus tard. Non, mais c'est bon, calme-toi. Cette tour. Ouais. Je vais rester ici. Bon, on va aller se faire le gardien. Et on arrêtera cette vidéo ici. On va essayer de se faire le gardien plutôt. Pardon. Parce que je suis pas sûr de réussir du tout. Symbole étrange, ça ce sera pour plus tard pour une quête annexe. Ah bah déjà ici un passage secret. Enfin secret, non je sais pas si c'est vraiment un secret ou quelque chose comme ça mais... La porte est bloquée de l'autre côté, d'accord. Le panorama, ça s'appelle. Le boss sans prendre le point de sauvegarde, tiens, on est un fou. Moi je suis un fou, je suis comme ça. On va changer d'anneau par contre tout de suite. On va prendre voilà, on va prendre ça pour mieux résister encore. Plutôt le rein de vie là. Non, pas celui-là. Celui-ci. Prendre la vie. À mon avis, il doit être très difficile si on n'a pas l'équipement nécessaire. Attendez. Simplement pas ça. Ah, ça marche pas, je l'ai pas tapé. D'accord. Bon. C'est joué. Celui-là, rune de puissance parfaite.
Bon, pas grave. Je suis mort. J'avais pas assez de potions. C'est pas facile, hein. Oh, je repars ici. Bon, on va retenter le boss. Attendez, on a combien de temps? Bon, on va retenter, ça fera une plus longue vidéo, mais c'est pas grave. Vous allez pas vous plaindre, hein. Je suis toujours avec le sensu, c'est ça? Bon, on va reprendre le drain. On va prendre le drain de vie pour m'aider un peu. Je sais qu'à un moment je suis pas censé le tuer maintenant, mais bon. Enfin, je pense pas, hein, mais au moins on l'aura tué, ce sera déjà ça. On va essayer de le tuer. Allez, encore deux essais si j'y arrive pas. Ben, je le ferai en vidéo. Bon, allez, finalement, on prend ça. Touchera pas. Allez, on peut te toucher. Je sais quand je dois le taper. Je vais prendre mon temps pour le moment. Jusqu'à ce moment crucial. Non, je vais pas mourir là. J'ai pas touché assez. Allez, viens. Et ton coup de pied. C'est bien, j'aurais pu faire plus de dégâts, mais c'est pas grave. Allez, viens. Viens. Vas-y. Et voilà. C'est pas facile, hein. Ouais. D'accord. Eh bien, nous allons nous arrêter là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Ah, on va regarder l'arme déjà. Donc, alors l'arme c'est laquelle? Non, elle est pas aussi basse.
Donc je vous dis déjà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire et un j'aime, et surtout vous abonner à la chaîne si cette vidéo vous aura plu. Ah, là voilà. Nice. Ok, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire et un j'aime, et surtout vous abonner à la chaîne. C'était TheZDen pour JTBanHD. Passez une bonne journée, une bonne soirée, et vive les jeux vidéo!